Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.1.05. Eh ben oui, fallait le dire, chers amis. Non, je l'ai vu dans le launcher. Normalement, c'est la 2.1.05. Hop, nous sommes toujours pas en 2.2 du coup. Nous sommes actuellement cependant le 10 normalement. Le 10 octobre, c'est tout à fait ça. Nous sommes à Sotis dans New Holm Station. Nous allons à nouveau prendre des missions. Des missions qui, donc cette fois-ci, seront peut-être un peu différentes, puisqu'elles seront là pour nous rapporter normalement un peu plus d'argent. C'est simplement pour faire l'essai, chers amis, hein. Je reprécise une dernière fois, c'est uniquement pour refaire l'essai. Je vais donc faire du transport de marchandises d'une station à une autre, si bien sûr les missions sont disponibles. Alors, des esclaves, j'aimerais bien, ça rapporte un petit peu d'argent, mais non. Et elles ne sont pas dispo. Bah écoutez, on va faire le classique. Alors du coup, on va aller simplement à Seos. 32 000 ici. Hop. Je vous ferai normalement le petit passage rapide entre les deux, ne vous inquiétez pas. J'espère cependant que vous aurez répondu. Je vous rappelle que dans le présent épisode, je vous ai posé plein de questions. J'espère que vous y répondrez, chers amis. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est extrêmement important pour moi. C'est extrêmement important pour l'avenir de la chaîne. Vu qu'après tout, vous êtes aux commandes, chers amis. C'est quand même pas magnifique, ça. Hop. Ok. Bon. C'est bon. Alors, attention. Certaines personnes se sont plaintes que... donc, pas par rapport aux vidéos, mais par rapport au jeu en lui-même. Que les menus de mission sont extrêmement longs à venir ou à accepter. Ça commence à se plaindre sur Steam, ça commence à se plaindre sur les forums officiels et sur certaines communautés. Donc attention à ça, chers amis, ça pourrait être voué à être légèrement modifié, parce qu'apparemment, dans la 2.2, les missions sont encore plus longues à obtenir et à accepter. Enfin, vous voyez le truc, à gérer, on va dire, au niveau de l'interface. Le patienter devient plus long, et apparemment, ça pose de plus en plus de soucis. C'est-à-dire qu'à mon avis, la limite des joueurs, ce qu'ils se sont eux-mêmes... posée comme limite vis-à-vis du temps d'attente, forcément commence à être exaspérante. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ça aurait pu être de plus en plus rapide, mais regardez le temps qu'il faut pour faire apparaître un menu. 1 000 000 à la cause. Ça va, vous êtes pas... Enfin, je veux dire, quand même, quoi. 1 000 000, vous réclamez, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mec, hein, mais... Non, il y a que... Bon, bah, il y a que moi, alors, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, la mission, on l'a prise. Là, on va la prendre aussi. Et quand on reviendra, on prendra que les missions qui vont à New Holm Station. C'est important. C'est extrêmement important. On gagne du temps. Alors certes, c'était pas aussi rentable que ça devrait l'être. Cependant, on gagne véritablement énormément de temps. Et c'est extrêmement pratique. Puisque au final, c'est sur New Holm Station et... Sotis Mining, c'est ça? Oui, Sotis Mining. Que nous ferons le plus d'argent, finalement. Et c'est surtout d'ici qu'on partira quand on fera les quêtes de transport de marchandises. Par conséquent, il est véritablement nécessaire d'avoir ces réputations montées au maximum. Et bien sûr, il est aussi nécessaire de monter notre rang. Et c'est aussi un autre moyen pour le faire. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est. On redéconnecte une fois de plus. Hop. On part cette fois-ci en solo en ligne. Vous voyez que c'est quand même assez rapide. Voilà, merci. Dites-moi aussi si vous avez des bugs. Je sais que vous avez eu quelques bugs de son récemment. Alors je sais pas, je pense que ça vient du logiciel de tournage qui buguait un petit peu au lancement de temps en temps. Et je l'ai vu clignoter en fait au niveau du truc. Donc je me disais bon, ok. Du coup maintenant j'attends un petit peu avant de dire le truc. Quitte à couper un petit peu au montage le début de l'intro et de le repasser au moment quoi en fait. J'attends 5-6 secondes. Donc du coup voilà, je vais essayer de gérer ça comme ça, que le logiciel se lance bien correctement. Mais à mon avis c'est à cause du fait que plusieurs logiciels utilisent le... Par exemple on a les shaders, on a le tout ça. Et à mon avis, ça fait que finalement, il y a des petits conflits au niveau des fenêtres. Mais c'est rien de bien grave. Tant que ça ne le fait pas dans les vidéos, à l'intérieur de la vidéo, dites-le moi, chers amis, ça le fait. Mais normalement, tant que ça ne le fait pas, je vais continuer comme ça. Sinon, bah écoutez, j'arrêterai vocals hein, s'il me pose un véritable problème. Même s'il est vraiment pratique. Lumière. Reçu. Vous voyez. Par contre, effectivement, c'est long. Hein. Je veux pas dire, mais... Donc, je vais quand même noter au passage... Le chiffrage de... Hop, attendez, crac. Hop. De mes...
sous, pardon. Alors, on a 59 millions. 59.274.7 1, 3. Ok. Ok, c'est noté. Parfait. Comme ça, je saurai ce que j'avais au début de l'épisode. Et je saurai ce que j'aurai gagné à la fin. C'est parti. Certains d'entre vous, j'y pense aussi maintenant, certains d'entre vous m'ont dit que finalement, ces missions-là, compte tenu de la vitesse à laquelle elles se faisaient, étaient parfois plus rentables que les missions classiques. Je veux bien vous croire, hein. J'ai des doutes, mais je veux bien vous croire. C'est vrai que ça en fait quand même un paquet, hein, finalement. Et vous m'avez aussi conseillé de... On va le tenter ensemble, là, chers amis, on va le tenter une seule fois ensemble. Vous m'avez conseillé de requitter et de relancer. Apparemment, si je relance une session, par exemple en jeu ouvert, les missions auront repop. Alors, je l'avais déjà fait sur Robigo. Vous me l'avez conseillé de faire ça chez Robigo. Je l'avais fait, il n'y avait aucune mission qui popait. Je veux bien réessayer, chers amis, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je vais pas m'amuser à relancer plusieurs fois le serveur en espérant que le serveur me boot et qu'il me renvoie sur un autre, quoi. Vous voyez, il n'y a rien. Rien et rien. Donc, pour moi, ça, c'est fait. Ok, nous sommes donc en monde ouvert. J'espère qu'on va pas avoir d'emmerde à mining, Sotis Mining au niveau des places de parking. On va y aller comme ça, c'est pas grave. Lumière. Reçu. Parfait. Hop. Et on va partir, c'est pas grave. Alors, je suis pas en avance, hein, j'ai eu des... Malheureusement... Oh, Caution Anaconda living in the station. Ah, il y a un vrai commandant. Voilà, on le laisse passer. Hop. On y va. Crac. Ah, oh, c'est classe quand même. C'est vrai qu'on joue peut-être pas assez souvent en monde ouvert. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Pleine puissance dans les moteurs. Full. Hop. Et on est bon. On peut même régler ça comme ça, c'est encore mieux. Oh mais je peux pas, bande de nazes. Mutant 510, je t'accepte. Ce n'est pas le moment d'en dormir, non. Des vaisseaux ennemis ont été chargés de faire côté mission, montrer alors qu'ils commettent la pire erreur de leur vie. Non, je suis pas armé. Je ne suis pas armé. Je ne suis pas en mesure de me défendre. Bref, allons-y. Est-ce qu'on va se faire agresser? Ça pourrait être rigolo. Est-ce qu'un joueur va oser nous agresser? Honnêtement, il se pourrait que je rage si c'est le cas. Par contre, ce serait bien que mon vaisseau charge. Enfin, je veux pas dire, mais voilà, ça y est, belle tétan, hein, dis donc. Wouh! Ça aurait été compliqué, hein. Hop. Mais non, la température est baisse, Simone, calme-toi. Eh ben voilà. On s'est fait agresser par le fameux Hopkins. Hop, oh non. Bon bah d'accord, ok, je préfère encore abandonner. Voilà, comme ça je peux repartir aussi sec. Tremble, non, jamais. Parce que tout simplement parce que je n'ai rien dans ma cargaison, espèce d'abruti. Bleuzaille, en plus il m'insulte. Sympa aussi quand je dézoome comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu ne mourras pas. Horrible Hopkins. Anthony serait triste de t'avoir comme membre de sa famille. Voilà, c'est dit. C'est dit, j'annonce. Moi, je ne suis plus gentil avec ces gens. J'abandonne. L'espace est bien plus dangereux quand il y a du monde, en tout cas. Mais c'est vrai que normalement, le nombre d'ennemis popant dans un système est fonction du nombre de joueurs y étant. Enfin, y jouant, on va dire, plutôt. Donc bon. En tout cas,
En tout cas, c'était comme ça quand j'ai commencé le jeu à l'époque, mais bon, ça fait longtemps. Je sais pas. C'est vrai qu'en fait, les règles de base, je sais pas si elles ont évolué depuis Horizon, finalement. Voyez, il y a un vaisseau qui arrive derrière moi et j'aime pas ça. Non, c'est bon. Il est pas dans la bonne direction, c'est bon. C'est bon, c'est bon. En espérant qu'on va avoir de la place honnêtement sur Sotis Mining. Je l'espère de tout cas. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû regarder. Non, voilà, 22h. Non, c'est bon, on a largement le temps. On a largement le temps. Alors, on reste bien dans l'axe. Hop. Du coup, je vais peut-être pas vous passer ça, parce que niveau d'émission, il n'y a peut-être pas grand-chose à passer finalement ici. Hop. En tout cas, les amis, j'espère que vous aurez véritablement répondu, parce que bon, pour moi, ça compte vraiment, je le répète. Quitte à ce que vous re-regardiez et que vous re-répondiez aux questions que je vous pose dans le présent épisode, c'est véritablement important pour moi d'avoir votre avis sur toute cette série, puisque cette série est assez longue et surtout, elle est vraiment faite pour être observée, regardée. Bon, il y a du gameplay, des fois je fais des conneries, des fois je me marre, des fois je bute des gens, mais le véritable truc de cette série, le véritable point fort de ce jeu, c'est de réussir à nous mettre dans un point de vue à la fois de spectateur et de joueur, sans pour autant créer une barrière entre les deux, je vais dire. Par exemple, Technomancer nous met directement au point de vue de spectateur. On n'est presque pas un joueur en fait, on subit l'histoire comme dans un film en fait. Ici, on est à la fois spectateur parce que l'univers est particulièrement joli à regarder, le jeu est particulièrement joli à regarder et surtout enchanteur on va dire littéralement. Hein. Et pour autant, on est complètement, hormis quelques bugs hein, précédemment qu'on a vu très récemment, quelques trucs rageants on va dire qu'on a vu très récemment. Le jeu en lui-même est vraiment très bon, quoi. Y a pas à chipoter. Bon, j'ai entendu parler que les membres d'équipage de la 2.2 étaient peut-être pas forcément optimisés, un petit peu à la manière du craft qu'on avait au tout début de la 2.0 d'Horizon, pardon. Et au final, le craft est vraiment devenu utile uniquement qu'à partir de la 2.1 avec les ingénieurs. Pour moi, ça me rappelle un petit ça, à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser précisément au fait qu'en fait les membres d'équipage qu'on va avoir à l'heure actuelle sont une version entre guillemets preview, alpha, tout ce que vous voulez, du multicrew avec d'autres joueurs, du multicrew avec des joueurs réels dans les petits vaisseaux en fait, qu'on aura en 2.3 tout simplement. Pour moi, c'est ça, c'est simplement ça. Après, je me trompe peut-être. Mais pour moi, le schéma est le même, visuellement. Enfin, de mon point de vue à moi, quoi. Après, c'est mon avis. C'est que mon avis, n'hésitez pas à commenter aussi là-dessus dans cet épisode. Hein. Je serais ravi d'en débattre avec vous. Alors, vous inquiétez pas aussi, hein. Comme je l'ai dit, il y aura de la chasse. Le retour de la chasse se fera avec la 2.2. Quand on rapatriera nos vaisseaux au même endroit. Et il est venu jusque là, quoi. Hop. M'agresse pas. Zone neutre, zone neutre. Oui. Par contre, j'ai coupé les moteurs normalement, je veux pas dire mais. Ah. Bon. Oula. Ah oui, c'est vraiment passé un truc de con là. Par contre, je veux pas dire, mais. J'ai rien dans ma soute, espèce d'abruti. Ah bah merde. Je vais quand même pas m'attaquer dans la zone neutre. Hop. Voilà. Allez. Allez.
Mais merde! Allez! Allez! Ah merde! Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, qu'est-ce qu'il me fait? Mais allez! Mais qu'est-ce qui me chie? Mais allez! Mais merde! Si tu me gares et que j'en ai pas l'autorisation, je suis pas dans la merde, hein. Ah! Qu'est-ce qu'il me fait? Il attend? Mais qu'est-ce que t'attends? Il va se barrer. Ah, mais c'est débile! J'aimerais me garer, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis pas censé me garer, donc du coup il met pas l'affichage. C'est génial. Mais pourquoi? Ah, mais c'est débile. Mais regardez. Mais c'est débile! J'ai annulé en plus le truc comme un con! Mais allez! Ah, il me boude ou quoi? Y'a personne! Y'a personne! Est-ce que c'est mon appontage automatique qui fout la merde? Je vais le désactiver. Possible ça! Qu'est-ce qui se passe? Bon bah écoutez, on va quitter, hein. Hop, on va quitter puis on va relancer, tant pis. Hop, allez! Autre session, solo en ligne, c'est bon. On va bien voir si c'est ça le problème. Mais alors là, c'est vraiment une catastrophe, hein. Là, je veux pas dire. Ça se trouve, j'ai planté tout le serveur. Hop, allez, accélère. Module, pardon, excusez-moi, j'ai un moitié mal à la gorge. D'un seul coup, j'ai une boule dans la gorge. Et ne faites pas de mauvaises images là-dessus, chers amis, s'il vous plaît. Ça y est, bah dis donc. Allez, vas-y, gare-toi. N'empêche, ce gros bug, hein, je veux pas dire, mais... C'était violent. Je vérifie quand même l'émission, des fois qu'elle est accélérée en plus, tant qu'à faire, pourquoi pas faire un doublé de bug. Mais non, ça va. Ok, bon, bah heureusement que je dis que ça devait être rapide. Enfin bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Il me reste un peu de flotte. Ah, vraiment un fion. Hein. Un fion de flotte. Un François Fion de flotte. Bon, elle est fraîche, tu me diras. Bon, alors, service de spatioport. Vu qu'on a tout notre temps maintenant. Hop. Tableau de mission. Hop. Ah bah non, faut absolument qu'on rentre. Si on veut pouvoir changer de session à chaque fois.
Ah, mais c'est long! Je comprends que les gens ragent, c'est de plus en plus long! L'objectif, c'est que normalement, vous n'entiez pas le... Voilà, j'ai légèrement poussé le micro, c'est tout con, mais... je prends. C'est beaucoup trop long. Heureusement que je parlais de patience il y a quelques minutes, parce que le jeu était... nécessité d'être assez patient et... d'être spectateur, mais alors là, faut pas que ce soit non plus patient en plus en dehors, dans les, enfin directement aussi dans les menus quoi. Bon, ça va, vous êtes à peine en train de réclamer de l'argent. Entrée dans le hangar, on va légèrement se garer. Légèrement. Puis, une fois que ce sera fait, on va tout simplement... Voilà, tout simplement changer de session. Enfin bon, là on a un bon paquet de missions déjà, on est à combien là au total? 1, 2, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 18 missions. On m'avait dit qu'au bout d'une vingtaine, normalement, c'était plutôt un bon run. Je veux bien vous croire. Hop, jeu ouvert, je vais aller enculer des gens maintenant, à mon tour. Eh ben non, tu peux pas te garer parce que je suis là, dans ton cululu. Hop les... Alors, tableau de mission. C'est parti. C'est beaucoup trop long. Ah, c'est bon. Hop, je prends. C'est trop long. C'est pas normal. Ça devrait pas être aussi long. Hop, une autre. Tout ça pour accepter la quête, hein. Moi je me rappelle quand il y avait je sais pas combien de quêtes à accepter dans WoW, on mettait pas autant de temps. Hein. Ouh, tellement de quêtes. Ah, d'accord, bah tiens, je savais pas. Je suis vexé, je suis complètement vexé. Bon bah écoutez, on est en jeu ouvert. Est-ce que je le tente? Est-ce que je suis vraiment un vilain garnement et je le tente? Décolle, on y va. Lumière. Reçu. Merci. Allez, soyons fous, chers amis. Faisons-le en jeu ouvert. C'est la mort qui t'attend, Marcus. Tu vas mourir. Ok, salut les filles. Il n'y a que des VPNG, c'est cool. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage. Rétracté. Allez, on y va. Hop. Tout est dans les moteurs, tout est parfait, il n'y a plus qu'à. Initialise le saut FSD. Activation HSD. Parfait. Alors. J'ai un doute, j'espère que je suis bien en jeu. Oui, normalement je suis en jeu ouvert. Bon, c'est pas grave, on verra bien. On verra. Si j'arrive jusqu'au bout ou pas. Alors, est-ce que... en fait, j'ai peur de voir plein de gens d'un seul coup. Et je pense que c'est comme ça que ça se passait. Ah bah non, il y a personne finalement. Oui. Ah bah j'ai rien dit. Hop. Parfait. Par où c'est que c'est? Hop, New Dawn Station. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Hop, n'inquiétez pas. On va s'en sortir. Hop. T'es sérieux là? Hop. Voilà, je devrais être tranquille là-dessus. Hop. Pourquoi je suis aussi chaud? J'ai pas percuté en fait.
pourquoi j'étais aussi chaud d'un seul coup? Et il m'a dit que c'est des armes thermiques ou pas derrière? Normalement, il est censé me le dire. Il me l'a pas dit. Pourquoi ma température monte encore? Ah, c'est parce que j'ai le... Ouais, d'accord. Elle continue à monter, c'est pas normal. Alors, je m'inquiète parce que s'ils me disent que je commence à avoir des emmerdes... 15 minutes... 15 minutes... 15 minutes... 13 minutes... Peut-être avoir un bonus en fait. Peut-être avoir un bon gros bonus. On verra bien. Faut que j'arrive à survivre. Et là pour le moment c'est vraiment pas... dit que j'y arrive. Honnêtement là pour le coup ça va pas être simple. Parce que... Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec la gorge là. Parce que là en fait le véritable souci c'est que je n'ai pas compris pourquoi ma température augmentait autant. J'imagine que mes modules en ont pris un coup, voilà. Il m'a surtout attaqué au niveau de mon réacteur d'appontage, vous voyez que c'est un module extrêmement important. Ok, allez, dépêche. Dépêche, dépêche. Ce serait dommage de se refaire agresser. Parce que sachant qu'il va... Là, il est quand même loin derrière nous, mais quand on va arriver dans la New Dawn Station, il va être juste derrière nous, bien sûr, Hopkins. Hein, c'est un fifou, le jeune homme. Pour peu qu'on n'ait pas de place de parking, on l'aura dans le fion. Léon. Mais bon, là n'est pas la question. Alors, en douceur. En douceur. En douceur. En douceur. Hop. Douceur, c'est mon deuxième prénom. Le premier étant... dureté. Bref, ne cherchez pas à comprendre, c'est pas de votre âge. Alors. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est ça que vous êtes en train d'écrire dans les commentaires. Moi j'ai compris. Et là je vais avoir masse. Moi j'ai compris dans les commentaires. Bah si vous le faites, mettez un pouce bleu aussi, ça serait très cool, chers amis. Ce serait vraiment cool. Et puis n'oubliez pas de partager les vidéos, c'est vraiment sympa. Partager les vidéos, c'est vraiment le meilleur moyen que vous avez pour m'aider, les amis, et je vous en remercie. Hop. Je remercie. Particulièrement même ceux qui le font parce que c'est vraiment sympa. Oui, oui, bah c'est bon, j'arrive. Hop. Parfait. Et bah voyez, quand on veut, on peut. Là, il a accepté de me la refiler. Hop. Je sais pas si on refera le trajet dans l'autre sens, par contre, dans cet épisode, parce que du coup, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que je ne sais pas du tout, je n'ai pas... la moindre idée de la durée de l'épisode, j'irai une vingtaine de minutes, la 25 minutes peut-être, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas si je vais le prolonger utilement ou pas. Ou alors je fais... Oh, si, je vais le prolonger. Parce que de toute façon, si on fait tout, si on fait en sorte d'en avoir que des missions qui nous amènent à New Home Station, on devrait être bon. Alors, en douceur. Ça se passe bien malgré tout. Ça se passe même assez bien. Alors. T'es sérieux là ou... Enfin, j'étais en train de me garer quoi. C'est un peu pute, j'avais des missions en cours, tout ça. Si en plus les serveurs sont instables, c'est pas bon, c'est pas à moi de payer. Hein. Je paierai pas les pots cassés. Ah ah ah, et en plus je suis à 40 km. Ok. 18 km de la station, sérieux? Oh, c'est vilain! C'est véritablement vilain, mais non, mais c'est... Enfin, c'est dégueulasse vis-à-vis des missions que j'ai. Je vous avais dit que j'avais un certain temps pour le faire et le jeu me fuck. Voilà, c'est moi qui paye les pots cassés pour des serveurs en carton. C'est dommage. Oui, bah attends, hein, faut que je m'approche. Hein.
Hop. Allez, vas-y, dépêche. J'ai pas que ça à faire. J'ai des missions à rendre. Alors, je pense pas que je vais du coup faire le retour, du coup, parce que... Ah bah oui. Ah bah t'as raté la mission. Oh, c'est vrai. Salaud. Parce que du coup, si les serveurs sont pas véritablement solides pour le coup, là, je vais peut-être pas le faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me renseigne actuellement sur Mafia 3. S'il est vraiment si bien que ça ou pas, parce que bon, Mafia 1 et 2, enfin Mafia 2 déjà était un petit peu moins bien, Mafia 1 était vraiment 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 bien. Moi j'ai trouvé Mafia 2 un peu moins bien, même s'il était un peu plus, en fait il était un peu plus proche d'un GTA si je puis dire. Enfin bon. On verra. Alors, est-ce qu'on va réussir à se poser? Oui. Est-ce qu'on va réussir à rendre l'émission? C'est pas dit. Alors, hop, entrez dans le hangar. Entre. Voilà, parfait. Service de spatioport, on est bon. Nous avions 59 274 713. Ah bah j'ai perdu des crédits. Bon, c'est pas grave. Hop, préparation, c'est pas grave. T'inquiète pas Marcus, ce n'est pas gravissime. Alors. Hop. Parfait. $59 millions, j'allais dire. Hop. Ah, on est devenu amico avec eux. Parfait. Ici. Hop. Ok. Pourquoi c'est si long? Hop. Et nous avons actuellement fait plus d'un million de crédits avec toutes ces missions. Ok, bah c'est pas si mal finalement. Ce n'est pas si mal. Ici, est-ce qu'on a augmenté de quelque chose ou pas? 8% au niveau d'enseigne. C'est toujours ça de prix, je dirais. Ça aurait pu être mieux, hein, mais c'est toujours ça de prix. Bon, et bah écoutez, pourquoi pas. On a fait donc 1 million, en gros, 1 million 16 000. 1 million 16 000 crédits, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, par contre, si on y va à 1 million par jour, on n'est pas près de l'avoir. Hein. Notre Beluga. Il nous faudrait, je compte à peu près 100 millions pour le Beluga. Hein. Donc, minimum. Hein. Minimum. De toute façon, il faudra qu'on voit d'abord les feats et après on verra en fonction des feats ce qu'on pourra en faire nous avec notre porte-monnaie. Donc voilà, et bien écoutez les amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On reprendra là, donc je pense, normalement dans la prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!